Ariel Henry, j'en ai regardé à tap dormi dans les Nations Unies. Mais monsieur parle aujourd'hui, monsieur dit plusieurs bagailles. Bien point, monsieur femme, parce que monsieur qui fait relations diplomatiques internationales, il est capable de plus avis sous des bagailles que monsieur touché, par exemple, réchauffement climatique, donc comment l'aborder, etc. Crise économique et sociale, crise politique. Mais dans toute bagaille, monsieur Abdiyo, monsieur li dit que. Bon, c'est normal. Monsieur souhaitait une élection qui est organisée dans le pays. Élection qu'on y a, il n'est pas trop facile, mais monsieur souhaitait une élection. Cependant, gen bagay, monsieur dit, m'a dit tête moins, moins gen pressentiment, les conseillers d'Ariel Henry, ils ont fait message pour arriver joindre monsieur. Non, ils ont tout entendu. D'ailleurs, Ariel, monsieur, tout entendu émission ça. J'ai l'impression que conseiller Ariel, ils ont fait monsieur tendre point que m'a fait avant hier, là. L'homme t'a pas abordé dossier canal, m'a dit que Ariel Henry gagne une chance, monsieur gagne une possibilité pour ta quand même gagne un minimum de sympathie que lui a tiré la caille. Dossier canal là. Et de fait, monsieur pas contrairement à ce qu'on t'a imaginé, monsieur pas tremblé non. Sans langue de bois, monsieur dit bah là sans filtre. D'ailleurs, monsieur même allé très loin, très très loin. Monsieur rappelait que tant de Fritz Nemorancy, monsieur même rappelait qu'il voisin hein? Et nous partager l'île. Et ça le dit sous Dominicani li fin moun, il fin pays janlier là. Nous jouons gros rôle parce que c'est nous-mêmes l'île d'Haïti, c'est ça on dit. Là on dit l'île d'Haïti y compris la République Dominicaine. Et monsieur fait rappel ça oui. Et puis monsieur allait plus loin. Monsieur dit que m'de nou de biye ou el listin di al yo te getan rale ba la et de Moranville, mais c'est vérité, c'est vérité. Donc monsieur frappe voisin oui. Oh m'dou Ariel fait moun saisi même moi la m'tande ti extrait ça bon fin tande tout non et fòm retandel même moun fou son ti goud de l'eau mal prend m'di oh Ariel m'di ah que le ba yo changé. Eh bien sous tribune Nations Unies jodi a monsieur pas dormi jodi a monsieur fait konnen pays d'Haïti, même Jacques Kay voisin, hein, qui c'est République Dominicaine, yo tous les deux gen droit pour yo exploiter ressources qui la kayo. Monsieur clair sous ça. Monsieur dit sous question de l'eau rivière massacre là, faut que les bien séparé. C'est logique d'ailleurs. Yo prend 11 prises sous nous déjà, non, on petit lorsqu'il en prend, yo a goumen. Yo a goumen. Donc monsieur rappelé que République Dominicaine, eh bien oui, l'eau dit l'île d'Haïti, c'est de nous même on parler l'île d'Haïti. Qui donc, m'pense que monsieur Fontico, contre même si monsieur, ou konne, li pa fin correct, correct, ou comprenne ça m'dou, mais nous pas de penser ça. Monsieur fait trembler, oui. Et moi, honnêtement, m'pas de penser, monsieur d'abord m'ti coup ça jodi ya. Monsieur font bon petit coup, et m'pense que ça, fon quand même apprécier li, même si gen l'autre pas qu'on capable considérer, gen l'autre bagay qu'on capable dire. Mais pour ti parti ça, moi estimé monsieur font bon petit coup parce que ne pas penser que nous t'arriver là mais il pas gain choix nous te dit ça depuis hier oui monsieur pas gain choix parce que Jean moun ça au campé là moun yo dit yo pas gain fait back moun wala men dit pas gain fait back gouvernement obligé entrer dans logique là parce que si yo pas kounye là gain bag gon bagay que m'ral dit si gouvernement estime que canal là pas ka campé gon bagay qui important gouvernement. On te dit ça hier, yo supposé rapidement gen trois ministères qui très importants là pour nous. C'est le ministère des travaux publics parce que nous besoin matériel pour travail yo continuer. Deuxièmement, c'est le ministère de l'agriculture parce que pendant canal la fête et ça te fait nan ti bois nan ti moyen k'ap collecter yo, on t'a suggéré comité à même mettez tout fond on ti caisse on ko a pas caisse ça pour nous commencer penser sous matériel agricole sous plantule sous ça n'a besoin parce que il met pendant canal la fête là faut nous commencer à identifier tête ka ba nous telle qualité manger hein, très important ça veut dire que pendant n'a parlé là le ministère de l'agriculture est très important. Troisièmement c'est le ministère de l'environnement. Ça dit ministère ça doit être présent. Qui donc si nous estimons gain doit être long qui dans tête yo changer yo. Mettez moun sérieux et puis augmenter et budget yo.
Parce que là, on va l'utile la République. On t'a dit ministère défense. Mais je m'ap gade là, ouais, pito, ouais, bobo, ouais. Pito nous gérer, monsieur Bessapio. Et gen get, on quoi sauvage, j'ai débarqué sous ça. T'as dit, on sait de ti get, comme si kote ne yo kamete, yo capable retenir, etc., pour contrôler tout bagay. Pendant, prends quelques accidents, commencez à penser, faire ti bagay sa, plusieurs bouyo. Monsieur Bessapio qui n'a espace là. Ou bien l'autre agent environnemental. Commencez à penser ça bouyo. Parce que le gouvernement vient pas gen choix. Koun ya si gouvernement pa gen choix li oblige impliquer et si gouvernement impliquer faut l'impliquer bien ça dit tout technicien gouvernement gagne nan pouvoir que li voye ou aloi nan met à l'aider et moun yo intelligent grand pile jeune qui a théâtre oui grand pile jeune ingénieur qui a la k travail grand pile compétence qui a la k travail ali si yo vinn la vinn faire foulay n'a bien temps identifier ces foulay yo vinn faire. C'est fou là yo vinn faire qui donc si gouvernement vinn senti que le pas ka kembe parce que Ariel gen deux choix c'est soit dans camp haïtien parce que c'est peut-être rare fois dans l'histoire nous presque tout haïtien yo mette au d'accord son même projet ça va arriver facile dans pays non ça t'est arrivé une fois presque sous dossier Kitanagoa et même bah là oui on a mette gon histoire bah et bah ça malheureusement ça t'est commencé arriver sous Kitanago en pile monde mobilisé. Eh bien, c'est rare fois dans le pays, hein? Presque tout haïtien météo d'accord autour de même projet. Eh bien, face à constat ça, gouvernement pas gain choix. Seul choix gain c'est adhérer. Si gouvernement on dit que Ariel t'a dit bon, Jean ont commencé à dire avant d'aller Lou Sabina Delta faire propagande pour dire gouvernement dit, il pas connait baraka fait ça, pas connait ceci. Eh bien, attention. Si Ariel t'a gain malheur sous tribune Nations Unies, tendez bien Serabel Fleurimont. Si Ariel te gen malè devant Nations Unies, monsieur te seulement répété parole ça. Oh, mon bon garanti pour la première fois pour tout bon. T'as bien DDN pour Ariel, DDN net. Parce que là Ariel gen deux possibilités. C'est soit li nan camp haïtien ou bien nan camp dominicain. Et face à maltraitance, humiliation totale, déception que Dominique a bas haïtien là, Ariel pas gen choix que le camper dans camp haïtien. Même si m'a pas besoin aller sous tout discours net pour me connait ça le dit, on paquet gros dossier, m'a pas besoin entrer là-dedans yo, ça qui intéresse c'est canal là. Et canal là qui intéresse qui donc Ariel, monsieur d'accord canal là. On dit le clair, pas besoin parler français de tout n'bagaille ça monsieur dit. Monsieur d'accord canal la fête. T'es gen campé. Monsieur le président. Je voudrais souligner à la haute attention de la communauté internationale une situation qui s'est développée ces dernières semaines à la frontière haïtiano-dominicaine, créant un malaise inutile entre les deux républiques qui se partagent l'île. Je souhaite préciser que la République d'Haïti n'est en guerre avec personne. Les Haïtiens sont un peuple généreux et solidaire qui croit au dialogue et à la possibilité de partager équitablement des ressources communes sans heurts et dans le respect mutuel. Je suis venu vous dire que nous n'avons pas de jugement ni d'intention qui peuvent préjudicier ceux qui sont nos voisins avec nous partageons l'île d'Haïti, avec qui nous sommes appelés à vivre et à progresser. L'histoire nous rappelle chaque jour que la violence entre pays frères ne peut entraîner que des regrets et nous laisser des amertumes qui se transmettent de génération en génération. Je suis venu vous dire et surtout vous transmettre le message du peuple haïtien dans son ensemble. La rivière qu'on appelle la rivière Massacre, une trop grande scène de friction historique et actuelle entre la République d'Haïti et la République dominicaine,
nous invite à faire notre et à faire de notre mieux pour ne pas réveiller les vieux démons, ressusciter d'anciennes blessures, ni en causer d'autres. Haïti réaffirme son droit souverain du peuple haïtien d'utiliser les ressources hydriques binationales comme le fait la République dominicaine et revendique une répartition équitable des eaux de cette rivière. Le peuple haïtien choisit la voie du dialogue et de la négociation pour régler pacifiquement le différend dans le respect des instruments juridiques internationaux déjà signés de bonne foi entre les deux États en 1929 et en 2021. Monsieur le Président, avant de conclure, je saisis l'occasion pour saluer les pays frères et amis, ainsi que les organisations internationales, pour leur engagement et leur expression de solidarité envers Haïti, notamment le Kenya, qui accueille positivement l'idée d'assumer le leadership de la mission multinationale de soutien à la sécurité et qui a déjà effectué en août dernier une mission d'évaluation dans le pays. Nous remercions aussi le CARICOM et les éminentes personnes. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, dans l'histoire, Haïti représente une figure emblématique de liberté et de solidarité. Haïti a toujours répondu présent pour venir en aide à des peuples frères dans leur lutte légitime pour la liberté et l'autodétermination, et ceci au sein même de l'ONU. La République d'Haïti s'est identifiée aux valeurs universelles pour laquelle elle s'est battue au 18e et au 19e siècle. En dépit d'indicibles souffrances et de sa détresse, l'espoir continue d'habiter le peuple haïtien qui poursuit sa quête d'un avenir meilleur dans la dignité. Le peuple haïtien, de la même manière qu'il a étonné le monde en 1804, changeant radicalement son statut d'esclave en homme libre, peut encore et veut redessiner son destin. Je sollicite cet appui, cette solidarité fraternelle, afin de nous aider à tourner cette page sombre. Je demande à la communauté internationale d'agir, mais d'agir vite. Vive le réchauffement des relations avec notre alma mater, l'Afrique. Vive la coopération internationale. Vive Haïti. Je vous remercie.